Salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de colis. Et oui les amis, c'est parti, aujourd'hui on va ouvrir des colis, mais attention, pas n'importe lesquels. Voilà, ce sont des colis qui ont été envoyés par certains et certaines d'entre vous pour l'anniversaire de la petite Araye. Tu fais coucou ? Coucou ! Ouais ! Yes ! Eh bien allez, c'est parti les amis. Déjà, juste petit aparté, c'est extrêmement gentil. Et de la part de, voilà, de ceux et celles qui ont envoyé les colis, je trouve ça juste exceptionnellement gentil. Et on va voir qu'est-ce que vous avez pris de beau, parce que les cartons sont plus gros que quand ce sont mes colis à moi, presque. Disons qu'elle tient entièrement là-dedans. Oui, c'est ça. Oui. Bon, bah, l'écho. Du coup, premier colis. Les amis, le premier colis est un colis de CM Panda. Voilà, donc on va découvrir un petit peu ce que CM Panda nous a envoyé. C'est parti. CM Panda que vous voyez beaucoup sur les streams. Alors, donc voilà, pas de difficulté pour savoir qui c'est. On a une petite lettre. Attends, on ne nous voit plus. On a deux lettres. Alors, on a un petit mot pour David Chou et Marine. Et on a une deuxième lettre, Mademoiselle Ariel Ascension. CM Panda se rappelle de notre nom de famille quand même. Hello David Chou et Marine, votre adorable petit écureuil. Je sais pas comment l'a écrit. Faites son premier anniversaire. Tu veux lire, c'est ça ? Voici de bons présents pour la plus belle des princesses. Quelques indices. De belles parures. Oana, ouverture carte TCG. Un peu de lecture. C'est vrai ? Ouais, tu veux qu'on ouvre, c'est ça ? Ah bah oui. Voyez-vous bientôt. Pouillonne, prochain live. Elle a écrit en créole. Je trouve ça trop cool. Je sais pas si elle-même, elle le savait ou est-ce qu'elle est allée chercher sur Google comment dire ça en créole, mais elle a écrit « Je te vois bientôt au prochain live en créole » et je trouve ça trop fort. Et ben, tu allez, peux c'est le parti. Lire ? Let's go ! On a une carte pour la petite Ariel, un bon anniversaire. Coucou princesse Ariel, joyeux premier anniversaire. Passez une bonne journée, petit écureuil. Il me semblait bien que l'écureuil il avait été écrit en créole. J'aime beaucoup la petite touche créole voilà, qui est apportée dans cette carte. Elle aime beaucoup la carte, comme tu le vois déjà. Voilà, ça lui plaît. Elle veut tous les mots et toutes les cartes. Et ben c'est parti. Première chose, les amis. Un petit vêtement. Ouais, il y a un cintre. Ça doit sûrement être une des parues. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na. Oh, ça a l'air mignon, ce petit truc-là. Ouais, j'aime beaucoup. Regarde. C'est une petite robe. Ça va être pour toi. Wow. Regardez, les amis. Je vous montre, on a une jolie parure pour la petite Ariel. Voilà, qui est très très jolie. Attends, Sweet regarde, cherry. Ça. Voilà. Couleur cerise. 18-23 mois en plus. Ah, regarde, il y a même le petit bandeau qui va avec. Ah oui, c'est vrai. J'avais même pas vu. Il y a un petit bandeau sur le côté. Ça on a un haut nickel. Une petite robe. Ça va être très très joli. Ça va être, ouais, ça va être très très joli. C'est pour toi, mon cœur. Ouais. Oui, c'est joli. Hein. Moi, ça me plaît déjà. Hein. Ouais. Ah bah oui. Hein. Attends, maman, elle a trouvé quelque chose. Tout rose. Attention. C'est une peluche. Ouh, c'est pour aller avec Stitch. Oh, ça. Stitch, tout rose. Mais non, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, moi non plus, je me rappelle plus, mais c'est une autre c'est expérience. Trop ça doit joli. Être écrite. Oh, elle te plaît, hein. Ah ouais. Regarde. C'est trop joli. T'as déjà le Stitch bleu. Et ben là, t'as la petite Stitchette. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Expérience, je sais pas quoi. Ou est-ce qu'elle a un nom ? Ah, oh, Lilo leur donne tous des noms. Donc elle doit avoir un nom. Et ben voilà. Elle est jolie. Oh. La et carte, ben, elle te plaît. Elle est super belle, ce peluche. Je trouve que c'est une vachement bonne idée. Ouais. J'aime beaucoup. Par contre, le Stitch, il va se sentir petit à côté. Ouais, il me semble qu'elle est plus petite, la peluche Stitch. Allez, la suite. Bah, il y a un sac. Oh là là, attends, c'est pas fini. Il y a tellement de choses. Il y a plusieurs trucs dans ce sac. Dans ce colis, les amis. C'est le poussin Piou. C'est ça ? Non, mais c'est ça ? C'est un petit c'est poussin ? Ouais, c'est le poussin Piou. C'est le poussin Piou. Oh, il est chouette. Ah, du coup, elle en a posé oh, la carte. Oh, il est beau. Il est tout doux ah, en plus. Le poussin, il lui plaît. Hein. Oh, il est beau, il est tout jaune. Le poussin est totalement validé, la carte aussi. La Stitchette a attiré l'attention, mais pour le moment, mais elle est peut-être un peu grande. C'est surtout que là, elle est bien basse par rapport à la peluche. Ouais, c'est ça. Dans un peu de temps, quand elle aura grandi, je pense qu'elle va la surkiffer parce qu'elle est super jolie. Pour Marine et David Chou, carte Poké, code TCG. Ah, ça, c'est pour Marine. Ok, on a une enveloppe de code TCG, mais pas que. Ouais, mais pas que. C'est... mais pas que, les amis, mais pas que. Il y a alors, un petit attention. Piece. On a... Oh, elle est trop belle, une superbe Nymphalie X, voilà, qui est trop belle. Clairement envoyée à ton attention, je pense. Nous avons des cartes Pokémon et des codes TCG. Et derrière, oh, c'est...
je vais y arriver. Spiro. Ouais, Spiro, voilà. Tralala, les amis, je vous montre tout ça. Mais c'est la Woodbox, ça veut dire qu'elle commande la Woodbox tous les mois. Ah, c'est la Woodbox, c'est ça? Oui, c'est marqué Woodbox dessus. Ah, je vous montre voilà. Le petit Mims, Spiro. Il tient debout. Ainsi que la carte Nymphalie qui sont vraiment très très belles. Après, derrière, ouais, on a quelques cartes tabac. Classiques. Et des codes TCG. Mais voilà, franchement, ça, c'est top. Et du coup, voilà, c'est un panda. Marine a. C'est Angèle. Apparemment, le nom. Et de Stitchette, c'est lis, Angèle. Oui, je me rappelle, c'est Angèle. Et ben voilà, je me rappelais pas. Et ça, ça fait super plaisir, c'est trop cool. En plus, elle est hyper bien protégée, la carte. Alors. C'est incroyable. On remet avec les autres. Ah, ça, ça me parle. On en a déjà reçu un. Non. T'es sûr? On n'a jamais reçu une boule comme ça. Ah ouais. Alors, j'ai vu ça à Jouer Club. Voilà, j'ai déjà vu ce truc-là. Et c'est peut-être à Jouer Club, du coup. Il y a des petites peluches à collectionner. On des ouvre, on découvre. À collectionner. Retourne Eclipse pour la poser. Alors, Ariel. Tu vas ouvrir ta peluche. Voilà, moi je vous regarde. Oh, le truc ça marche jamais ces trucs-là. Tire dessus, fais tout le tour, hein, ça va se décoller. Attends, bon, on l'épluche comme une pomme. Hein. T'épluches les pommes comme ça, toi. Tu sais, quand tu fais. T'as jamais fait ça? Mais il y a encore quelque chose autour. Oh là là, il y a un deuxième plastique. La galère n'est pas finie. Nous retrouvons une petite boule mate avec des trous. Pour l'aération. Tiens, arrive. Non, c'est regarde. Pas pour l'aération, c'est pour clipser après, ça fait un socle. Ah! Elle est toute rose! Qu'est-ce que c'est? Tu la prends? Regarde. Waouh! Ah non, moi, c'est la boîte qui m'intéresse. Moi, j'aime ouvrir et fermer des boîtes. Ah, ça! Eh ben. C'est la grande passion. La peluche n'a pas marqué les esprits, mais par contre, la boîte. Ça, c'est top. Voilà, comme tu le vois, on a besoin d'essayer de fermer la boîte. Et ça, ça va l'occuper pendant un petit moment. Elle adore ça. Une nouvelle boîte à fermer. C'est pas facile en plus. Eh bien, allez, c'est parti. Bon, voilà, on a reçu le petit Hopi dans la boîte. Je sais pas s'il y en a qui vont regarder ça avec leurs enfants et dont les enfants collectionnent peut-être ces petites peluches. C'est possible. Peut-être qu'elles vont se dire « Oh, la chance !» ou « Oh, non, j'ai déjà. » Oh, ce colis est tellement rempli, c'est incroyable. Ariel est gâtée pour Devi de la part de Hikaru Midona. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que Hikaru m'a envoyé? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes. Hikaru, un grand merci à toi. C'est vrai que ouais, je me rappelle de notre Hikaru sur le live. Oh là là. Alors là, déjà, il y a du code TCG. Ça, ça va être pour Marine. Alors déjà qu'elle a la tripotée de code des cartes de Sébastien qu'elle n'a pas encore eu la foi d'ajouter. Non mais il serait temps que sur le TCG, sur l'application tu vas avoir tablette, une blinde de cartes sur le TCG toi. Ah ouais. Allez, c'est parti pour découvrir les cartes. 3, 2, 1, hop. On a une Pikachu, maman, une Skitty, ça regarde. Une Solushi, une Diamat, une Pironi, une Togedemaru. Ok, ah. Ben voilà. Des petites cartes sympathiques, moi j'aime beaucoup le Pikachu Métamorphe même si on l'a déjà. Mais voilà, j'aime beaucoup les cartes de Pokémon dont Métamorphe s'est transformé. C'est des cartes que je collectionne aussi. Eh ben, un grand merci à Hikaru encore pour les cartes qu'il nous envoie. Voilà, avec les cartes de CM Panda, ça fera des cartes qui vont sûrement compléter notre collection. Surtout la Nymphalie, je sais qu'on l'a pas. La Nymphalie X, les autres, je ne sais pas du tout. La Pikachu Métamorphe, je sais que je l'ai. Parce que celle-là, elle sort un peu du lot. C'est des cartes que je mémorise. Ouais. Les autres, je sais pas. Les autres, il faudra qu'on regarde. Donc, ça sera plus haut. Ah, on est sur un nouvel ensemble. Petite tenue. Ok. Regardez les amis. Là, c'est un pantalon, je crois, qu'il y a derrière, avec un petit t-shirt. En tout cas, c'est très joli. Petite tenue, vous le voyez, avec un petit chat à chapeau. Et c'est super gentil. Ça nous fait des jolis vêtements à lui faire porter. C'est du 24 mois. Du voilà, c'est pour ça que ça paraît grand. C'est du 24 mois. Elle a le temps, mais Sam Panda a bien raison. Voilà, d'envoyer un âge au-dessus, parce que voilà, on sait jamais. Comme ça, elle pourra le porter plus longtemps. Elle pourra, ouais, elle pourra le porter. À coup sûr. Ça, je ne pense pas que ce soit pour Ariel. Ah, ça c'est top. Ténèbres embrasées, clash des rebelles, les amis. On a des boosters épais et boucliers ici. En plus, ils me paraissent bien épais. Mmh, ça sent les boosters à belles cartes. Ça sent les boosters à belles cartes. Ça me donne envie de faire une ouverture. On est sorti. Et vous l'avez vu, la dernière ouverture avec la Draco Feu. Tellement bien. Voilà. Et du coup, ouais, on est vraiment hypé et motivé pour faire d'autres ouvertures. Ça donne envie, ça. Un énorme merci, CM Panda. C'est impressionnant parce que je vois qu'il y a encore. Ça, c'est magnifique. Il y a encore des choses. Oh là 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 là, c'est joli ça. Beau. C'est du 24 mois aussi. On a une jolie robe, les amis. Elle est très très belle robe. Regardez ça. J'aime beaucoup. Ça, je trouve ça très joli. Marine, elle adore aussi. Ça va être très beau. Bon, elle est encore petite pour ça. Oui. Mais quelque part, ça me fait un peu visualiser plus tard. Je me dis, j'ai hâte de la voir aussi grande pour entrer là-dedans quand même. Vous savez, on dit. Regarde, elle veut la robe. Il faut pas. Tu veux ta robe?
Voilà, il faut profiter, ça va vite, c'est vrai que ça va vite. Et en même temps, on visualise un petit peu des fois hein, ce que ça va devenir plus tard et on se dit, ah là là, quand elle sera assez grande pour entrer là-dedans, ça va être quelque chose. Il reste tout ceci, je pense que ce sont Ça a des l'air livres d'être et il y en a beaucoup. Alors, le premier livre, La Belle et la Bête. En plus, c'est mon Disney préféré, en réel, donc ça tombe très très bien. T'as vu Il le te livre, mon plaît? cœur? C'est le livre de La Belle et la Bête. Ouais. Regarde, je le mets devant toi. Comme il est beau! Et ben Waouh! voilà, un très beau livre. La Belle et la Bête, je vous le montre, les amis, et je lui redonne. Regardez, il est sous blister, c'est pour ça que pour le moment, je la laisse faire parce qu'elle risque pas de l'abîmer. Mais actuellement, on se doute bien qu'elle est encore un petit peu jeune pour lire, mais ça viendra. Oui. Là, on a des cartes à gratter, messages mystères. Ah, ça, C'est on en avait Disney. reçu. Oui. Voilà, et elle nous envoie d'autres cartes à gratter Disney. Ben, ça, c'est trop trop cool parce que ça, quand elle aura l'âge, je sais pas quel âge on fait ce genre de choses. 6 ans et plus. Oui, donc ça viendra un Bon, petit peu après, plus elle pourra tard. peut-être le faire avant, c'est en fonction de son évolution et de... Ouais, ça, Voilà c'est trop quoi. trop cool. Ah, ça va aller avec le reste, ça va avoir tellement d'activités. Ça, c'est un truc Mon chouette. imagier puzzle. Ça, Ah, c'est un c'est truc le comme ça genre que de tu livre que voulais. j'adore. J'adore ce genre de livre pour Ça les tombe enfants. super bien parce que Marine, elle voulait qu'on en achète. Et regarde, on va te montrer. Ça s'enlève. Tu veux le papillon? Tiens. Ah, ça va l'éclater, Ah, ça. tu inverses? Ouais, je mets le D'accord. papillon sur la fleur. C'est pas fini. Non, C'est pas c'est pas fini. fini. Ah, celui-là, il est à bois. Il était une fois mes contes classiques. Oh là là, le nombre de Bien livres. l'épaisseur. Oh, il y avait une petite... C'est ça la surprise! Ah ouais, Marine, elle est tombée dessus sans le vouloir en ouvrant. Les amis, Il y en a partout. il y a des surprises. Et là, c'est pas pour Attends, il déplaire à n'y a pas de Marine qui surprise. collectionne Non. les jumbos. Regardez. Il y en Bon, vous l'avez a compris, pas j'ai pas pu mal. vous montrer ce livre-là parce que, bah, elle l'a déjà adopté. Néanmoins, voici le livre. Il était une fois, avec les histoires, les contes classiques. Et si on l'ouvre, regardez ce qu'il se passe. Il y en a un peu partout, donc je pense qu'on va Regardez tous les ça. sortir. Il y a des jumbos cachés dans le livre, en fait, à divers endroits. Voilà, donc on va les retirer et on va vous montrer tout ça. Oh, elle est belle celle-là! Oh la vache! Ah, celle-là, elle va être dans mon fond. Elle est trop belle celle-là. J'avoue, Elle elle est brille et tout. tellement classe! J'aime tellement cette carte! Il Il n'y me en a faut la plus les même en dents, tu es petite. sûr? Les amis, on a Regarde, trouvé des le cartes papillon. jumbo. Je vous laisse regarder. Donc, Lugia, on a la magnifique Féline Ferno en relief, en secrète. Juste là, on a la Arcanin que vous avez peut-être déjà vue dans mon fond de live. On a une Dracaufeu, voilà, qui est très très belle aussi. Mais là, On a la Zacian regarde, c'est V, lui, qui est c'est très Noël. très belle. Il va comme ça. On a la Lugaroc GX, qui va faire des Ouais. jaloux chez notre Caranille. Et on a, et celle-là, je la trouve magnifique. Il doit y avoir une petite carte de ça. Il faudra que je trouve cette carte parce que voilà, je trouve la jumbo déjà exceptionnellement belle. Et ouais, il me faut cette carte en petit parce qu'elle est tellement belle. Et j'adore la version de jumbo. Je pense que cette carte va finir dans mon fond pour les prochaines ouvertures. Bon, les amis, voilà pour le colis de Sen Panda qui était incroyablement rempli. Voilà, un énorme et colossal merci à CM Panda parce que de belles surprises avec des jumbos, des cartes. On remercie énormément Icaru aussi, bien sûr, qui a participé à ce colis, ne l'oublions pas. Voilà, un énorme merci pour les boosters et pour la petite, cette montagne de cadeaux que tu Ouais, lui as c'est envoyé énorme. entre les livres, les vêtements, les peluches. Franchement, c'est super gentil et elle est super gâtée. Et regarde, elle s'amuse encore Ouais, avec le avec le livre. livre, elle aime beaucoup, hein. Et bien, c'est parti, on va passer au second colis. Alors. Regardez la taille du colis d'Alicia aussi. Incroyable. Alors, attends, je sais pas comment m'y prendre. Regardez-moi Attends, la taille de je vais ce décaler un colis, peu les tout ça. amis. Regardez ça, et rentre pas dans l'écran. Il ne Ça. rentre pas dans l'écran. Bon, On mais me c'est voit plus parfait. après. Ariel, j'espère que tu es prête parce que Alicia, Je te j'ai l'impression qu'elle a fait un vois plus. cadeau de folie. C'est pas un cadeau pour moi, et pourtant, je suis curieux comme si c'était le mien. C'est incroyable. Le premier cadeau. Le premier Regarde mon cadeau. cœur. Regarde. C'est pour toi. Là, ça sent le tissu, ça sent le vêtement ou la couverture, la serviette, un truc comme ça. Toi, tu supposes quoi? Une tenue. Une tenue? Ça me paraît, ouais, ça me Non, paraît c'est une assez épais serviette. pour une tenue, hein. C'est une serviette. Les amis, on sort une magnifique serviette Oh, c'est la de petite la petite sirène. Et Alors, alors regardez là, parce c'est qu'en une grande. plus. Ah, c'est une cape de bain. Il y a une fleur sur la tête et tout. Ah, ça, c'est génial. Ah, mais elle est grande, non?
Regardez ça, avec la capuche, il y a juste à mettre le petit visage et c'est parfait. C'est trop, trop cool. Voilà, la cape de bain Ariel, on a la petite nageoire en bas. C'est, je pense que quand Alicia a dû voir ce truc-là, elle se dit « Oui, non, ça c'est sûr. » Même si moi j'avais vu, je l'aurais acheté. Même Marine, elle a dit si elle avait vu, elle l'aurait acheté. Elle est très très belle, elle est vraiment très belle. Hein. Elle est grande en plus, donc elle va pouvoir lui aller un moment, je pense, celle-là. C'est une super idée, elle est top. C'est l'officiel Disney en plus. Et ben ça... Bah oui, parce que voilà. Alicia... C'est simple, a été à Disneyland et je sais qu'elle a pris des trucs là-bas. Voilà, donc ça ne me surprend pas d'avoir un cintre tamponné Disney, estampillé Disney parce que... C'est pour ça qu'on a du papier cadeau Disney. Oui, c'est aussi pour ça sûrement qu'on a du papier cadeau Disney. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a pris d'autre. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'étais vraiment curieux. Hein. Parce que je me dis que voilà, moi Disneyland Paris, c'est, ça fait partie de, des ça univers magiques hein, pour moi aussi. Et... Ah là, ça on aussi. A une jolie petite robe aussi. De la petite sirène. Elle est grande pour l'instant, mais... Ah là là, regardez les amis. On a Ariel ici, la petite toi, sirène. Petite c'est une robe qui est magnifique. Tu l'as mon bébé. Ça va être pour toi. Okay. Allez, on retire du plastique. Comme ça, vous la voyez mieux. Ouais. Nous aussi. Elle est vraiment très belle. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, hein, cette robe. En plus, tu regardes à l'intérieur, regarde. Il y a une toile aussi. Donc, c'est vraiment très, très beau. Je pense que c'est une robe de princesse. J'ai pensé, hein. Tu penses vraiment qu'elle allait jusque-là? Avec Marine et moi, on a l'impression qu'elle lui aurait pris une robe de princesse, on n'est pas sûr. Et on va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça, petit cœur? Ça, c'est pas emballé pareil. Mais par contre, c'est beau, hein. Ah, oui, l'emballage, c'est joli, il est beau, là. Hein. Oh, ça, c'est joli. Regarde, ça brille déjà. Attention! C'est une petite robe encore ou un maillot de bain? Qu'est-ce que c'est? C'est un costume de sirène, non? Oui. Ou je me trompe? Mais regarde, avec la petite culotte, c'est un petit maillot, non? C'est un maillot? Oui, c'est un maillot. Pour de vrai? Bah oui, c'est un maillot. J'adore! Les amis, elle a envoyé un maillot. Regardez, on a le haut et le bas. C'est alors, trop on mignon. A deux variantes du bas. Hein. Je ne sais pas si on doit mettre les deux ou une seule, mais... Tu mets les deux et t'enlèves la jupe pour se et du coup, ça fait un petit maillot. Ça va être tellement drôle. C'est un maillot, drôle. Ça. Ouais, c'est un maillot. Prochaine fois, ma fille... Tu vas à la plage comme ça. Ah mais attends, c'est trop grand pour elle pour l'instant. C'est vrai? Ah oui. Elle va être tellement belle là-dedans. J'adore, c'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Tout ça, ça vient de Disney. Hein. Je pense qu'Alicia a fait un colis extrêmement généreux. On la remercie énormément. Parce que ça coûte pas rien les articles Disney. Et c'est vraiment super gentil. Quoi. Marineland. Non, Marineland. Si, Marineland. Marineland. C'est des dessous de verre. Ouais, je crois. En Liège. Il y en a 6. Sont chouettes, hein. Ouais, Côte d'Azur, Marineland Park. Eh bien, écoutez, ça, c'est une petite signification, une petite signature pour Marine, je crois. Je pense, oui. Voilà, Marineland, les deux sous-terres. En fait, je trouve ça trop cool parce que les sous-terres, on n'en a pas des tonnes et c'est assez rigolo. Voilà, ouais. C'est incroyable, quand même. C'est... Ouais, là, vous arrivez à me surprendre. Pourtant, on en a reçu des colis, hein. Mais vous arrivez encore à me surprendre dans vos envois. C'est incroyable ce que vous arrivez à trouver. Ça, c'est Marineland. Ouais. Je reconnais l'ours. C'est un crayon de papier. Ah ouais? Oui. Mais il est tout noir. Non, c'est parce que... Ah ouais, c'est bien un crayon à papier. Tu on le a veux un crayon à papier Marineland avec un ours dessus. On va pas lui donner ça parce que si jamais elle arrive à détacher l'ours, elle risque de l'avaler. Mais ouais, un très beau crayon à papier Marineland. Un dauphin de Marineland. Un petit dauphin en collier. Je vais vous montrer ça de plus près. Ouais. Voilà, le crayon à papier avec l'ours dessus. Joli, vous voyez, il est très très beau. Il ça, est tout c'est noir. Quoi, c'est l'oiseau ? C'est très bizarre pour la mine. Et le petit pendentif dauphin qui est magnifique aussi. Voilà, très très beau. Et, le dauphin, je pense que c'est la destination de Marine, puisque Ariel est trop petite pour le moment. Donc je pense que c'est pour toi. Merci, il est chouette. Hein. Ouais, il est joli. Hein. Pour mademoiselle Ariel. Il est tellement gros ce carton, les amis. Tu attrapes ça? Tu déchires? Vas-y, mon cœur. Tiens. Ah. Ouvre-le. Tu tires. Ok, papa item. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une petite robe. C'est impressionnant. C'est il y a Disney encore. Ouais, je sais pas ce que c'est. Eh bien, regardez, les amis, c'est on a une superbe robe aux couleurs de la nature. Attends, regarde. Voilà, sur le côté. Elle est très très belle. Ah, c'est Stitch. Tu sais que j'ai failli dire aux couleurs de Lilo et Stitch. On a un petit Stitch qui atteste. Voilà, du Disney ici. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que ouais, j'ai failli dire aux couleurs un peu de Lilo et Stitch, mais j'étais pas sûre. Ça te plaît, mon cœur. Et vous voyez, on a une, deux, trois couches comme ça de vêtements. Puis quatre à l'intérieur. Enfin, bref. Je la trouve très très belle cette robe et oh là là, Disney Baby, je trouve ça magnifique, c'est elle va être tellement belle là-dedans,
C'est incroyable. On a envie, franchement, je sais pas toi, mais moi j'ai envie de la voir dedans. Hein. Ah j'ai oui. Hâte qu'elle soit assez grande pour les porter maintenant. Là, elle est encore un peu petite, mais on le mettra sans souci. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? C'est un peu plus petit. Qu'est-ce que c'est ? Un t-shirt. Oh là là, tu veux les papiers ? Ouais, le papier, il est beau. Hein. C'est la petite Irène, ça. Oui. Un joli t-shirt. Il est très oh, joli. C'est trop hein. beau, ça. T'as vu ? J'aime trop ces trucs-là. Les amis, nous avons une jolie petite sirène sur le t-shirt. C'est mignon, regardez. Hein. Elle est très très belle. En plus, avec les petites paillettes qu'on peut tourner pour changer de couleur. Voilà, c'est super joli. Dans le thème, on reste sur le thème de la petite sirène avec ce t-shirt qui est magnifique. Et pareil, ben, ouais, ça nous fait visualiser un petit peu. Moi, c'est surtout, regarde ces petites franges sur les épaules. Ça, c'est trop mignon. Mais remarquez les petites franges. Je ne sais pas si elle fait gaffe sur les épaules. Voilà, qui sont super belles et qui vont faire un petit côté coquillage, en fait, sur ses épaules, quoi. Je trouve ça super joli. Il y avait quelque chose dedans. Alors, on a trouvé un petit bracelet dauphin à l'intérieur pour du papier. Pour aller avec le collier, je pense. Qui est peut-être, peut-être tombé dans le fond. On voit très vite que ce petit bracelet dauphin va avec le collier, hein, forcément. Oui. Voilà, très très joli aussi. Un très joli bracelet dauphin, du coup, qui va avec le collier, parmi les articles pour Marine. Attention, Happy Birthday, c'est écrit dessus. Joyeux anniversaire encore, Ariel. Attention. Oh, c'est une peluche. Un wow. dauphin. Il est beau, hein. Le même oh des paillettes. Là. Tu veux l'attraper ? Il est beau. Un petit dauphin pour aller avec une c'est petite sirène. C'est le papier sirène. Qu'elle voulait. Ah. C'est chouette le papier cadeau. Ah, ça c'est chouette, hein. Je trouve ça trop joli. Donc, un petit flipper, voilà, pour la petite Ariel. Coucou à vous trois. Joyeux anniversaire à Ariel, déjà un an. Ça passe trop vite. Hâte de l'avoir porté tout ça, même si elle a le temps. Vu les tailles, profitez à fond de cette journée. Je vous adore. Encore un joyeux anniversaire à la plus mignonne des sirènes. Plein de gros bisous à vous trois, Alicia. PS, j'ai ajouté des cadeaux pour toi et Marine. Ils ne sont pas emballés. Eh ben ouais, on a remarqué, c'est super gentil. Voilà, les articles Marine Land et les colliers bracelet dauphin. Voilà, c'est super gentil. On n'a pas encore tout ouvert, mais on sait qu'il y a un gros truc qui nous attend encore. Alors, et d'ailleurs, sur le papier, les amis, si vous regardez bien, on a une petite sirène aussi, voilà, qui est très très jolie. On remercie énormément Alicia parce que ce colis est pour le moment extrêmement incroyable. Voilà, tout comme le colis de CM Panda. Ça y est, tu commences à déchirer le papier, c'est bien. Prochaine fois, tu pourras déballer tes cadeaux, tu vas voir. Un gros pochon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un grand sac, les amis. Un grand sac bleu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en ce grand sac bleu ? Pourquoi tu souris ? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un costume de Follow. Oh là 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 là. Les amis ! Alors, je crois qu'Ariel aime beaucoup le jaune. Tu veux qu'on te mette la capuche ? Regardez, vu dans la caméra, ouais, je le visualise bien là. On a un costume de Polochon, comme vous le voyez. Il te plaît ? Avec la capuche pour la petite Ariel. 18-24 mois. Il est incroyable, 18-24 mois. À ton prochain anniversaire, mon cœur, tu vas pouvoir le porter. J'ai tellement envie de te voir là-dedans. Mais tu peux déjà lui mettre ça si tu veux. J'ai tellement envie de la voir là-dedans, les amis. Okay. Bon, on a retiré la capuche. Mon cœur. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? La tête qu'elle fait. Elle est en train de regarder en mode, mais pourquoi ? Les amis, c'est tellement drôle. Et... Ah, d'accord. Je vois presse here. On a un truc au-dessus. Tiens. Les amis, ce costume, il est juste incroyable. Et après, c'est un grand Je le trouve trop, trop cool. Ça va être tellement drôle de l'avoir là-dedans. Et ben, les amis, le colis d'Alicia était aussi incroyable. Franchement, c'est incroyable. Regardez ça. On ne sait plus où mettre les objets sur la table. Franchement, ouais, Alicia, on te remercie aussi énormément. C'est incroyable, ce colis de folie que tu nous as envoyé avec les vêtements Disney. De toute façon, tout vient de Disney. On va pas se mentir, oui. Je crois qu'à part les cadeaux Marine Land pour Marine, oui, le tout reste vient de Disney. Vient de Disney et du coup, tout vient de Disney et c'est l'officiel Disney, donc c'est vraiment c'est qualitatif, c'est très beau et voilà, c'est vraiment à l'effigie des personnages. Donc, franchement, c'est magnifique. Les robes, les vêtements, le costume, les peluches, voilà, ça vient de Marine Land aussi, je pense. Oh, il y a des paillettes sur le bidon. Oui, t'avais pas vu qu'il y avait non, des paillettes. Non, j'avais pas vu. Bon, on va finir cette ouverture quand même avec lettres et cartes qu'on a reçues. Donc, j'ai reçu une carte et voilà la petite quand même liaison, c'est ça qui est rigolo, de Disneyland aussi, de la part de l'un d'entre vous, qui est Boulanguéry. Ouais, Boulanguéry, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas trouvé sur les lives, mais
Il m'a envoyé une carte de Disneyland que j'ai reçue et je le remercie énormément. Il aurait peut-être pu croiser notre Alicia. Un petit bonjour de Disney, très agréable, car peu de monde. Il manque plus que le beau temps, Boulanguéry 38. Ah, un grand merci à toi, Boulanguéry. On a reçu ta carte, ça fait super plaisir. Et ça donne envie d'y aller. On va pas se mentir, hein, ça donne vraiment envie d'y aller. Quand je vois tout ce qu'Alicia a pu acheter et tout, ouais, ça donne vraiment envie d'y aller pour les attractions, pour les boutiques et tout. Enfin, moi, je suis un grand fan de Disney et Pokémon et j'adore ça. Ah. Oui, elle te plaît, la carte. Tu fais attention. Et enfin, nous avons reçu le colis de Sunako. Petite histoire sur ce colis, quand même, c'est qu'il n'était pas censé arriver. C'est-à-dire que c'était le premier colis qu'elle avait a priori perdu. Et finalement, elle a dû le renvoyer. Du coup, on a reçu le nouveau colis de Sunako, mais on a reçu quand même l'ancien après. Voilà. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que le deuxième colis qu'elle a envoyé était bien plus gros et plus rempli que ce premier colis. Donc, mais ce qui est fou, c'est surtout qu'on reçoit quand même ce premier colis. Salut, voici un petit cadeau pour Marine et toi. J'espère que cela vous plaira. Je les ai faits moi-même. Bonne journée et bon courage pour la chasse Sunako-chan. Je pense qu'on va retrouver ce qu'on avait déjà vu dans l'autre colis. Attends, c'est marqué retournez-moi. Tournez-moi, non rien. Il est pour toi, hein, celui-là. C'est toi qui m'as fait tourner. Hein. C'était marqué tournez-moi. Moi, j'avais pas fait gaffe. Hein. C'est Marine qui a demandé de tourner. Mais donc, on est d'accord qu'il est pour elle, hein, celui-là. Et du coup, nous sortons les petits porte-clés. Vous les avez déjà vus dans la précédente ouverture de colis, mais en effet, on retrouve Métamorph. Et Nymphalie, voilà, qu'on a eu parce qu'elle a dû les refaire et elle en a fait d'autres entre temps, vous avez vu, donc on la remercie énormément parce que non seulement elle a renvoyé son colis, mais en plus elle a rajouté plein de choses et du coup, voilà, ça fait super plaisir et on remercie énormément notre Ludivine. Et ben les amis, un énorme et colossal merci à vous encore, c'est incroyable, ouais, franchement, c'est génial. Un colossal merci à CM Panda et Alicia pour leur colis incroyable. Ils fêtent un anniversaire, Ariel, c'est simple, elles deux, elles ont offert plus de cadeaux que nous et la famille d'ici, je crois. Ouais. C'est incroyable le nombre de choses qu'elles ont envoyées. Et franchement, ça, c'est d'une gentillesse incroyable pour la petite Ariel qui, pour le moment, est encore un peu petite pour se rendre compte de tout ça. Mais ça viendra et on vous remercie énormément. Ouais. On a hâte de l'avoir porté tout ça. C'est super gentil. Voilà, ça nous fait plaisir autant à nous qu'à elle et c'est trop, trop cool. On remercie énormément aussi, bien sûr, Ludivine et Boulanguéry pour leurs envois, voilà, qui font super plaisir encore une fois. Et voilà, je pense qu'on peut dire encore une fois qu'on a fait une ouverture de colis phénoménale. Ouais. Voilà, vous êtes incroyables et vous arrivez à nous surprendre, on l'a dit. Hein. Il y a toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est ça que j'aime dans vos colis, c'est qu'on arrive à trouver des choses, on ne savait même pas que ça existait et je trouve ça incroyable. Bon les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a été utile. Nous, on vous souhaite d'être les meilleurs. Dresseurs. On vous dit. À la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.